Dans mes rêves on m'appelle Peter, Peter Pan. Dans mes rêves sauve les gentils, je tue les méchants. Quand je veux la trêve, on veut me faire la guerre tout le temps. Donc sors les armes à contre-cœur sans qu'il s'y attend. Je crois pas les négos. Attends, j'étais moche. Ah mais toi aussi? Non, moi j'ai une dépose à vie là. Ah bon? Ah oui. Bah, pourquoi tu changes jamais, putain? Non, ça moche. Fait... Ah, moi je suis habillée comme ça, moi. Ça mais tu te laves? Non. Oh, ah, ça. Au secours. Tiens, sans mes deux sous de bras là. Oh putain. Viens. Elle est le bronzer. Oh, vite à terre. Boisson, les putes. Les quoi? Ça y est. Les putes. Bah... Calme, calme. Oh non. Allez, bougez. Et bah... Double fesse, étant donné qu'il y avait pas ta daronne, voilà. Ouf. Quoi. T'as des quoi, Nero? Étant donné qu'il y avait pas ta daronne, bah y'a pas quoi, de pico. T'as quoi? De quoi? De quoi? Fais gaffe, hein. C'est pas de quoi? Oh les menaces, oh les menaces. J'ai pas entendu. Max la t'es... menace, on l'appelle. J'ai dit fais gaffe. Mais de quoi? Comment tu parles de la maman? Ça bounce. Ouais, si c'est la famille. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Mimi. C'est clair. Ah oui, j'ai bien rempli ma licorne, là. Ah, putain. Tu l'as rempli de quoi, ta licorne? De bonbons. Ah, des Smarties, des trucs comme ouais, ça. Ouais, fermez les yeux et faites ah. Non. Ouais, non. Quoi? J'ai pas très faim et je suis en intolérance au sucre. Ah, si vous dites non, je chante. Hey, hey, range ça, toi, range ça. Regarde, j'ai un taser. Ah, mais au lieu de te chanter dans les oreilles, là. Putain, pas moi, pas moi. Écoute, pas le malin. Écoute, t'as vu, j'ai un taser, ça fait. Pourquoi? Je travaille au Galaxy Panard. Arrête! Oh! T'entends? Oh là, t'es pas gentil. Oui, oui, hein? Oh là, t'es pas. Aïe! Aïe! Mais non, t'as mis du coton à des oreilles ou quoi? De quoi? Oui? De quoi? T'as mis du coton ou quoi? Non, pourquoi? Ah, tiens, attends, je prends du coton de ta licorne, attends. Voilà. Attends, j'ai pas commencé le concert. Mais non, mais commence pas, pur. T'es sérieux? Ah ouais, vas-y, écoute-moi, toi, écoute-moi. Allez, faut écouter Mimi. Vas-y. Pourquoi tu chantes? Oh, Rbatzilek. Mais j'ai pas... Oh, putain. J'ai pas fini, wesh. Dans la vie réelle, les génies n'existent pas. Trois veux-tu te fous de moi? Dans la vie réelle, un tapis ne vole pas. Excuse-moi, oh la mienne elle est pas mal aussi hein. J'avoue. Sirène, on sait tout ce que tu sais écrire. J'aurais de retrouver ta voix sans peine. Mais t'as pas pensé, t'es vraiment la pire. Je n'ai jamais vu un en vrai, donc c'est encore moins avec une fille perdue au milieu de rien. Ah c'est vrai que c'est chelou quand même. Ouais c'est vrai que c'est chelou, on sait pas trop ce qu'ils font. Même si au fond je pense qu'ils se dégoûtent de... Putain, YouTube. Ouais, je suis peut-être allé un peu sec. Dans la vie réelle, les animaux ne parlent pas. Je n'ai jamais vu un diamant de 10 ans voler. Mais bien pour sûr. Aller à Neverland grâce à la poussière de feu. Depuis qu'embrasser une attends, fille comme elle mort est un acte terrorique qui lui évitera la mort. En parlant de fille, j'allais y parvenir. Quel intérêt d'avoir les cheveux plus longs que son avenir. Là j'attends une réponse. Même malgré ça, malgré toutes les incohérences, au fond je crois que j'aime ça. J'aimerais retourner en enfance. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney, je veux mon plein charmant de Disney. Moi je veux plus faire comme dans le monde de Disney. Quoi, j'ai pas vu prendre ma voiture. Avoir la belle vie comme ça, j'ai Disney. Je sens que mes souvenirs se distillent. Pour m'amener moi tout de suite dans le monde de Disney. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Mais non, mais c'est. Mais non, mais c'est bon, mais viens, viens, c'est bon, on les connaît. On les connaît. Bah c'est quoi ta soirée là? Archie, ça va ou quoi? C'est Saïd. Putain. Emmenez-moi tous dans le monde de Disney. Ça va bien, quoi? Oui. Ok, ben je vais dire tes quatre vérités maintenant. Je t'ai jamais aimé parce que tu m'as abandonné et que t'as tué papa. Et je dis tout le monde à ma grand-mère parce que j'en ai marre. Et j'arrive plus à te regarder en face, j'ai honte de toi. Voilà pourquoi je dis tout ça. Eh ben normal, t'es une folle, t'es une tarée, t'as tué papa. Et à cause de toi, j'ai dû grandir au Maroc. Mais tu sais même pas pourquoi je l'ai buté, ce fils de pute. Eh ben non, t'as tué papa, à cause de toi, j'ai dû... Tu sais, j'ai grandi où, moi? À la DAS. J'ai dû faire des sales...
quelque chose pour me nourrir. Mais ta mère, il m'a fait passer pour une folle. Mais t'es folle. Non, je suis pas folle. Si. Comment tu parles à ta mère, toi? T'as même pas entendu ce que j'ai dit. T'es jamais venu me voir à l'hôpital. Voilà, et ben moi, je te dis à tout le monde que t'es ma grand-mère parce que j'arrive pas à te regarder en face, tu m'as abandonné. Ouais, et vous savez pas ce que j'ai dû faire quand j'étais petit, moi, pour survivre dans les rues du Maroc. Mais... Tu vas être mon copain. Quoi? Pourquoi en faire? Parce que j'ai créé une nouvelle petite pilule là et j'ai besoin de quelqu'un pour la tester. Bah, elle fait quoi ta pilule? Ah, t'inquiète, tu vas voir. Tu vas courir dans un champ de bœufs, tu t'inquiètes, ma gueule. Justement, je m'inquiète. Pourquoi tu t'inquiètes? Bah parce que ça se trouve, ça peut me tuer. Non, vas-y, je te jure, tu peux pas mourir. J'avais déjà fait ça sur Mamadou. Et il s'est pris pour une poule pendant une heure, c'est tout. Ah ouais? Oui. Et la toute première que j'avais créée, j'ai tué un rat, mais c'est rien, ça, on s'en fout. Là, je pense que c'est la bonne. Ok? Mais tu me fais peur un peu. Pourquoi? C'est comme un petit bonbon, tu vois. J'ai mis un petit coup de fraise dedans pour que... T'as mis à la fraise? Ouais. Oui? De fou. Ah bah vas-y, viens, prends ta voiture là, on monte et je te montre où c'est, ok? Et tu vas tester ça. Vas-y. Pourquoi tu t'as une goutte de sueur sur le front? J'ai craint du tout, arrête. Ah, c'est un thug, moi. Ouais, et tu vas voir, sûr c'est la bonne là. Tu me fais peur, Mimi. Vas-y, c'est ici. Ouvert? Oui. T'es sûr, on a le droit d'être là? Oui, mais je vais tout le temps là pour faire mes petits trucs. C'est glauque. De quoi? Bah, cet endroit. Non, c'est beau. T'as vu comme c'est beau? Je suis pas sûr. Je dormais là par terre. Là? Avant que Mamadou essaye de me retrouver. Mais tu dormais bien ici? Non, je dormais avec des rats. Je comprends pourquoi t'es un peu folle. Quoi? Ah non, rien. T'as dit quoi? Je t'assomme avec Malicorne. Non, c'est bon, je rigolais. Ça va. Moi, t'es prêt? Je vais aller chercher Tu fais des menaces à qui? Hein? C'est pas qui je suis, moi. Ouais, j'adore le rouge. Ok, c'est bon. Ouais. C'est le rose, ma couleur préférée. Hein. Quoi? Hein? Bon, fais gaffe, mamie. Hein. Ouais, t'inquiète, ouais. C'est pas ton bien. Attends, il faut que j'aille chercher la pilule, là. Elle est toute verte, t'as vu? Ah? Hein? C'est quoi? C'est ça là? Ouais. Regarde, elle est verte. T'es sûr c'est. Je risque rien? Ah? Hein? Mais non, tu risques rien du tout! Bon, vas-y, je suis un gangster, moi je m'en fous. Avale! Avale! T'es sûr, hein? Ah oui, tu reviendras jamais ta mère. De quoi? Quoi? Non, avale. Oh, tu me fais peur, mamie. Avale. Oh, t'es sûr de... Cop. Vas-y, 3. 2. 1. 2. 1. Go! Oh, putain. C'est quoi que tu m'as donné là? Quoi? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu vois quelque chose ou pas? Tu vois quelque chose? Oh, je vois tout noir. Tu te sens comment là? Tiens, j'ai mal au ventre. Ah, c'est un bon début ça. Dis tout. Mmh. Est-ce que t'as envie de vivre dans le monde de Disney? Hein? T'as envie? Putain. Appelle les hommes. Quoi? Oh putain. Appelle un médecin. Réveille-toi! Appelle un médecin. Mais qu'est-ce que... Non! Lève-toi! Vite! Si je te mets une claque! Ah! Oh putain! Qu'est-ce qui se passe là? Vite, lève-toi! Appelle un médecin. Non, je vais pas appeler un médecin! Je vais appeler qui? Putain!
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Qui? Ton pote! Envoie-moi une pétition. Ah, c'est bon, il va arriver. Tiens le coup. Oh. Tiens le coup, tiens le coup. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai mis des coups sur le torse là? Ah! On va mettre ça. Debout! Ah. Oh. Debout! Non, putain. Je vais mettre de l'eau dans la gueule. Qu'est-ce que tu m'as donné? Bonheur, moi. Tiens, avale un extra, ça va te faire du bien. Oh. Tiens, je te le fous dans la gorge. Arrête. Ça va te faire du bien, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Merde, ça marche pas. Faut que je le refoute un. Vite, un deuxième. Un deuxième extra dans la gueule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, j'ai que des extra, moi. J'ai appelé Saïd, il va venir. Tu m'entends? Dis quelque chose. Ah! Putain, il répond plus, il dit plus rien. Ah! Saïd, c'est... Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je vais le faire prendre l'air. Ah oui, je vais le porter. Vite! Passe là. Vite, vite, il est pas bien, il est tombé dans les pommes, il est pas bien, vite, vite, oui. Vite, il est pas bien. Mais t'as fait quoi? Là, je lui ai donné quelques cachets là. Combien? Je sens plus son pouls. Qu'est-ce qu'on va faire là? Combien de cachets? T'as fait là? 12 extérieurs, cachet spécial. C'est quoi, c'est quoi un cachet spécial? Non, mais t'es sérieuse là? Mais il est mort. Non, il est mais pas oui, mort. Il est mort. Non. Il a plus de poux, il est tout blanc. Mais t'es con ou quoi? Donne-lui des claques, donne-lui des claques. Vite. J'appelle monte dans la voiture. Non, pas les médecins, pas les médecins. Non, non, appelle pas les médecins. Non. Monte dans la voiture. Putain de merde. Monte dans la voiture. Non. Monte dans la Porsche. Non. Fais quelque chose là. Fais quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Hé. Monte dans la voiture. Je vais m'en occuper après avec Mouloud. Je vais enterrer le corps. Quoi? Monte dans la voiture. Mets-lui des claques dans la gueule là. Monte dans la voiture, il est mort, il a plus de poux. Il a plus de poux. Là je te jure que il est pas mort. Il est pas mort. Mets-lui des claques. Double fesse. Mets-lui des claques. Réveille-toi. Vite. Il a plus de poux en fait. Non, pour le réveiller je vais donner des extas là. Mais tu l'as tué mamie, je t'avais dit. En plus je te l'avais dit qu'un jour t'allais te faire de la merde. Non, et voilà. On fait comment maintenant? Fais-le, fais quelque chose. On peut pas, il est mort. Fais-lui un massage cardiaque. Mais j'ai déjà essayé. Non, il est pas mort, je voulais l'envoyer. Réveille-toi. Au pays imaginaire. Double fesse. Je voulais l'envoyer au pays imaginaire. Putain, qu'est-ce que t'as foutu? Je voulais l'envoyer dans le monde de Disney. Mamie, ça va plus là. Quoi? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Non. Monte dans la voiture, je t'ai dit. Y'a plus rien à... dans la bouche. Non. Dans la voiture. Lâche-moi. Réveille-le. 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 Arrête. Réveille-le. Arthur. Ouais. On a un petit problème. Ouais, je veux ça. Réveille-le. Il est mort. Oh, il est pas... Arrête, il est pas mort, c'est impossible. Il est mort, gros. Il a plus de poux. J'ai essayé de lui faire un massage cardiaque, il se réveille pas. Je vais lui mettre le... Lâche... Mais... Non. Viens, accroche-la là, viens. Viens. Je vais mettre un extase dans la bouche. Appelle Salomé. Viens. Il faut le réveiller là. C'est... Attends, voilà, je te prends ton bras et je t'accroche au truc là. Pas là-bas. Voilà. Je t'accroche au truc là. Viens, Salomé.
Il va falloir qu'on s'occupe du corps. Détache-moi là, je suis fatigué, j'ai mal à mes rhumatismes. Non. C'est fini. Quoi? Parce que... Laisse Mamadou me surveiller. Laisse Mamadou me surveiller. T'es dangereux pour Mamadou aussi. Je suis pas dangereuse. Je crois qu'il m'a pas dit. Quoi? Que tu lui avais donné des pilules. Quoi? Je crois qu'il me l'avait pas dit. J'ai jamais fait ça. Si. Non. Il me l'a dit. Hein? C'est pas vrai. T'es dangereuse pour tout le monde. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que tu l'as drogué. Une fois. C'est pas vrai. Tu le crois pas quand même? Si. Mais... Laisse-moi aller le voir. Non. Ton meilleur ami. Laisse-le où il est bien. Je vais vérifier qu'il est bien au pays imaginaire. T'entends parler, t'es vraiment taré. Laisse-moi voir. Non, tu iras en psychiatrie. Au moins tu pourras faire de mal à la personne là-bas. Laisse-moi partir. Non. Et toi et moi on prend la même pilule, on le retrouvera et on sera tous au pays imaginaire. Tu t'écoutes parler? Je veux qu'on y aille tous les deux. Tu veux gâcher ma vie aussi? Kiwi. Tu veux gâcher ma vie aussi? Non. T'es vraiment folle. Normalement, tu devrais vouloir être ta mère, être avec elle, la suivre. T'es pas ma mère. Non. Mouloud. Ouais. Détache-moi. Non. Non. Moi, je vais t'expliquer, Mouloud. Ouais. On va la détacher. On va jeter le cadavre là dans la rivière devant. On va l'emmener à l'hôpital. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Vas-y, mais détache-la. Le corps, tu veux vraiment le lancer? On est obligé. On est obligé. Sinon, elle va aller en prison, tu vois. Donc, tant pis. Faut que je prenne mes affaires dans la cave. Tu vas rien prendre du tout. Mes affaires. Non. Si. Quelle cave? La Vas-y. Cave là derrière. J'avais mes affaires pour créer des pilules. Oui. Laisse tomber, Mouloud. Il n'y a plus d'espoir pour elle. Vas-y, viens, on s'occupe si, de lui. Ben, détache-la. Elle va venir avec nous. On va jeter le camp. J'ai réussi. Je l'ai envoyé au pays imaginaire. Vas-y, je te détache. Vas-y, suis-moi. Bah, passe devant moi. Je me méfie de toi carrément. Passe devant moi. Non. M'oblige pas à être violent. Tu reçus. Non, j'ai mes affaires. Bouge pas. Mes affaires. Hop, tu viens. Prends le corps, Mouloud. Mais caché, mes pilules. Mes pilules. Viens, on va le jeter. Viens, jette-le par-dessus le ponton là-bas. Non, jette-le ici. Ouais. Saute avec lui au pire. Il y a une échelle juste à côté. Ouais, moi je me mouille, moi. À ta droite. Bah vas-y, je le fais.
Théma. Vas-y. Oh. Elle est bien dure. Il faut pas le... De quoi ? Ils vont pas le retrouver ? Non. Il va se faire emporter par le courant. Vas-y. Tu veux aller avec mon père imaginaire ? Mimi, tu viens. Mimi, attends, je vais lui parler. Mimi ! Mais laisse, je vais lui parler à Mimi. Tu peux aller avec... Maman, je vais parler avec Mimi. T'es sûr ? Oui, je vais parler Maman, à Mimi. J'ai des gâteaux. Mimi ? Oui ? Tu sais qu'ils veulent te mettre en hôpital psychiatrique ? Ah, ils sont jaloux ! J'ai trouvé la bonne forme pour envoyer les champignons imaginaires. Oui, mais s'ils te mettent là-bas, on te reverra plus. Tu comprends ? Mais moi, Mimi, je l'aime beaucoup. Dis-leur, David, qu'il faut pas faire ça. Bah oui, mais je leur ai dit, mais... Ils veulent pas m'écouter. Bah, dis-leur que j'ai trouvé la bonne formule. D'accord. Mais t'as une surveille, Mouloud. dis-leur, j'ai trouvé la bonne formule. Donne-moi un bout de gâteau. Bon ? Oui. Tu veux ? Oui. C'est vrai ? Oui. Oh, merci. Un bout de gâteau. Merci. Quoi? T'as fait quoi, Mimi? Ah, je l'ai enlevé dans le pays imaginaire. Madame, ça va? T'as fait quoi? Je l'emmène aussi au pays imaginaire. Dis-moi ce que t'as fait. Tu lui as donné un truc à manger? Oui. Le même truc que t'as donné à l'autre? Bon, on voit un peu ce que ça donne. Venez avec moi, monsieur, on va être dans une salle là. Va avec lui. C'est moi, madame. Mais c'est qui lui ? Mon docteur. C'est le monsieur qui va s'occuper de vous. Vous voulez venir au pays imaginaire ? Venez avec moi, s'il vous plaît. Oui. Sécurité, faites attention qu'elle tente pas quelque chose. Allez, avancez. Vous avez dit quoi là ? Entrez par l'aile B, s'il vous plaît. Voilà, juste là. J'ai un truc à vous donner là ! Non, vous allez rien donner de tout, vous allez avancer, madame. Quoi ? Monsieur, je vais quand même rester avec vous pour, parce que vraiment, vous savez pas de quoi elle est capable. Retirez-les tous ces cachets là. Attends, je vais les prendre. Dame, lève les mains, mamie. Naïti, dans mon soutif. Lève les mains. Pourquoi ? M'oblige pas à être violent. Non. Je vais te prendre tout. Lève les mains. 1, 2, 3. Voilà. Non. Comment vous vous sentez, madame ? Je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée ? Oui. Salomé. Pardon ? C'est qui Salomé ? C'est son ami. Elle est ma copine. Elle a quel âge votre grand-mère, vous m'avez dit ? 43. Il est en 67. Ouais, ça arrive souvent ce genre de truc. Pour les personnes de son âge. Elle est où ma copine ? En fait, elle a ça depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que là, j'ai 23 ans, ben depuis, ben, ça doit bien faire plus de 20 ans, un peu plus de 20 ans quoi. Ah oui, quand même. Faut lui prescrire des médicaments spéciaux que je vais vous donner une ordonnance. Faudra aller à la pharmacie la récupérer. Non mais monsieur, faut l'enfermer ici. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va la garder ici jusqu'à qu'elle se soigne, hein, parce que c'est soignable. C'est... Ouais, faut vraiment la garder enfermée, ça en fait. Ça va prendre le temps que ça prendra. Non. Mais c'est pas ici. Elle aura le droit à des visites ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Mais pas les premiers mois, je pense. Non, on va essayer de la garder un peu. Ok, ok. Premier à moi, ouais, on va dire. Vas-y, toi, vous passez à l'hôpital, puis ce sera possible de l'avoir, bien évidemment. Prends ma main, ça y est. Viens voir. Non. Viens voir. Approche-toi. Non. Attendez, j'ai prescrit une ordonnance. Donne-moi ta main. Vas-y.
Quoi? Je te donnerai pas la main. Si, tiens. Non. Je te tends mon collier. Aïe. Donne. Tenez, monsieur, pour les ordonnances. Merci. Dites à la pharmacie, vous prenez tout ce que j'ai noté. Et vous me les ramenez. Okay, okay. Donc là, vous allez leur faire ma clé, quoi. Ouais, c'est ça. Puis les infirmières vont venir. Bah, vous pouvez me laisser lui dire un dernier mot en privé avant de fermer la porte. Tu vois où t'en es maintenant? Avec tes conneries? Babi? Oui. Tu vois où t'en es? Malicorne. Je t'avais prévenu. Saïd. Je t'avais dit de t'arrêter. Saïd. Y'a pas de Saïd. Je l'ai aimé ton père, tu sais. Non, tu l'as tué. Écoute, Mimi. T'as dépassé les bornes là. Mais je rends les gens heureux, moi. C'est pas en les tuant que tu les enlèves. Je vous laisse encore une minute avec elle, après je l'enferme. Mais non, il faut pas l'enfermer. Je vais la prendre avec moi. Non, non. Si, si. Non. Elle va rester ici, elle est trop dangereuse. Mais avec moi, non. Allez, tu vois pas qu'elle vient de donner un gâteau? T'allais crever. Mais je suis pas dangereuse. T'es pas dangereuse. Je fais mal les corps. On te la donnera avec toi, mais on enlèvera ce qu'il y a dedans. C'est vrai, Molo? Ouais. Tu vas me la ramener? Allez, allez, elle accueille là. Viens chercher. Tu viendrais me voir? Ouais. Tous les jours. N'abusons pas, mais. Si, tous les jours. Ah, ok, tous les jours, tous les jours. 3 fois par jour. Ouais. Depuis Terpent. Attends. Je vais chercher. Mmh. Salut. Quoi? Tu me promets un salut? Oui. J'autorise pas à la prendre. Je serai toujours là. Vous retirez la pointe aussi. Ça peut servir comment? Saïd! Non, c'est pas ma mère, c'est personne. C'est une meurtrière qui a perdu les pédales. Moi je t'aime. Je suis pas ton fils. Bon, si c'est pour dire ça, sors. Allez. Non, je vais rester pour la surveiller parce qu'elle est dangereuse. Mais non, vous savez pas de quoi elle est capable. Mais t'as bien vu. Je t'ai laissé 2 minutes seul avec elle. T'étais par terre en train de colmater. Bah tais-toi, dis rien. Je vais y aller parce que voilà, ça me fait trop mal au cœur de te voir là. Mais sache que pour moi, t'étais comme ma maman aussi. Ouais. Et je te jure, je suis pas bien, quoi. C'est qui tape là? Je sais pas. Oui. C'est fini. Encore 30 secondes. Quoi? Oui. Écoute-toi parler. Fais attention. Oui, t'inquiète pas. Et toi, fais attention à toi, prends soin de toi. Oui. D'accord? Oui. Tu es les pirates. Allez. Allez, mamie. Salut, mamie. Adieu.
apart. Tell me your secrets and ask me your questions.